Ok. Je relance. Bonjour VOD, nous sommes sur la suite de Little Hope. Let's go. On vient juste d'avoir le monsieur qui nous a parlé. Bon, on a fait deux, trois trucs. J'avais oublié de cuter, mais voilà. On dirait une table de Ouija, mais ça peut être ça. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, des fois, ils se mettent en position chelou. Foreclosure bank owned. Keep out. Ok. Et c'est quoi, touriste? Touriste Visiblement, on est les premiers touristes à venir ici depuis un bail. Qu'est-ce que des touristes viendraient faire ici? On dirait une vraie ville fantôme. Bah, c'est littéralement une ville fantôme, en fait. Je pense qu'il n'y a pas meilleure définition. Oui, mais ils en parlaient dans le journal. Ouais, c'est ça. Que j'ai vu. Mais bon, c'était pas elle qui l'avait lu. Ah oui, c'est vrai. J'avais lui, à ce moment-là, je crois. J'avais un droit. Ouais, j'avais... Ça, c'est Daniel, lui. Daniel. Oui. Attends, il s'appelle... Attends, c'est quoi cette musique-là? Il y a un chemin là-bas, non? On va y voir. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix? Ah, on entend une voix, hein. J'en sais rien. De toute façon, ça va être forcément là-bas, parce que là, ça va être fermé, je pense, côté. Je regarde son chemin, si je peux y aller. Ah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Quoique, c'est pas fermé. Oh putain, on choisit quoi? Oh merde, non, je voulais pas. Ah, ça va, c'est pas une cinématique, ça m'a juste changé de vue. Bon, on fait le petit chemin. En fait, là-bas, il y a l'air d'avoir un chemin, tu passes sur le côté... Putain, là... Chier. Faire un choix. Sinon, on se sépare. Tu veux qu'on se sépare? On peut, mais je pense que là-bas, je pourrais pas y aller, moi. Vas-y, essaye, on verra. Je vais prendre l'autre chemin. Allez. Ah, mais non, mais en fait, c'est juste un objet avec lequel interagir. C'est pas un vrai chemin. Bon, bah, ouais. Ah non, ah ouais, d'accord. Et je vois un bel arbre au loin. Voilà. Et du coup, je vais avoir encore un truc un petit peu touristique là. J'attends avant d'avancer au cas où. 1955, des fouilles archéologiques ont permis d'identifier ici une couche de cendres et des fragments d'os. Bah oui. Sur le site, auraient été pendus et brûlés sur ce bûcher des personnes condamnées lors des procès de sorcellerie de 1692. On ignore qui a été exécuté ici. Ouais, d'accord, c'est des infos qu'on a déjà quand même pas mal. Bon, ah, c'est bon, du coup, tu peux avancer. Et quoi? Un corbeau. Merde, je me suis trompé de touche pour avancer. Le prochain, il va être sympa. Bah, c'est moi, ça va. Bah, c'est cool, c'est cool. Hé, hey, regarde ça. Bien fait d'attendre. Commence à connaître les mécanismes. Oui, c'est ça. Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. Ah bon? C'est mon ancienne balançoire. Hein? Là, regarde. Hé, hey, hey, pas de panique, tout va bien. Oh là, ça va, non, ça va encore va plus pas, loin que ce qu'on pensait. Pas. Tu vois ces étoiles? Ouais, c'est vrai c'est que moi c'est... qui les ai peintes sur ce pneu, avec ah, mon ouais. père. Waouh. J'avais quoi, genre 10 ans? Là, je la petite. T'es sûre? Sûre et certaine, c'est moi, ma vieille qu'elle balançoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ouais, peut-être un peu. Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en pose une question, lui aussi. Peut-être que c'est pour me faire passer un genre de message? Hé, hey, hé, hey, regarde-moi, allez. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ma faute. Vous devez m'aider. Par pitié. Oh non, maintenant c'est elle qui est pendue. Aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Non, oh non. Non. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. Ça dégoûte. C'est ton unique espoir de salut. Écoutez-moi. Je n'ai commis aucun péché. La poupée qui me condamne n'est qu'un simple jouet d'enfant. Rien de plus. J'avoue. Je le tu jure. Tu ne me tromperas pas. Je vois le mal en toi. Mon devoir est de purger notre ville de ce mal. C'est le seul moyen. Tu seras pendu. Je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. Tabata, c'est Tabata Carver. C'est pas ça? Ah si, peut-être. Oh.
Anaïa, elle me dit, c'est étrange, j'entends crier avant de voir l'action. Qui entend crier ? Anaïa. Ah, d'accord. Demandez à Locke. Pas de souci, on connaît en bec, Floris. C'était moi. C'est mon tour, là, ça y est. Ouais, en fait, à chaque fois qu'on voit quelqu'un se faire exécuter, et ben c'est qu'il va bientôt se passer merci. Un truc où il faudra les sauver. C'est peut-être pas plus mal qu'à des clousons, en vrai. Parce que ça va être la prochaine, on dirait. Faut continuer vers l'église. Comme avec... Les autres sont sûrement là-bas. Angela. Ouais, ouais, sans doute. C'est ce que je pense. Donc ça veut dire que si Angela meurt, je crois que la suivante, c'est forcément... Bah c'est pas ça, c'est que... On a vu... Angela mourir et juste après, eh ben, elle a été en danger, tu vois, parce que son double voulait la tuer ou je ne sais quoi. Bah là, je vois bien un peu la même chose, tu vois. Là, on a vu, bah, elle s'appelle Tabata, c'est ça, mourir. Et du coup, bah, c'est peut-être lié au fait qu'elle va essayer de l'attaquer ou je ne sais quoi, ou ça se passe un truc sur elle. Genre le fait, le timing où on voit l'exécution, c'est peut-être lié au timing où ouais, ou ça veut juste dire qu'Angela est morte. Pourquoi Angela? Bah parce que la vieille elle est tombée et que maintenant on a eu le truc qui nous a un peu, qu'on a vu. Ah ouais mais attends, on a... Oh un chat. Par ici. On a rien raté. Normalement c'est nos actions qui font que... Non moi je pense qu'elle est pas morte. J'ai l'impression qu'on est suivi. Oui on oui, est vraiment je sais pas non plus. Hey et bon c'est bien. Ah bah tiens, d'ici. Dégage, la voilà, dégage. Elle est déjà là. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, elle est pendue à moitié. Tu cours ou on se cache? Se cacher c'est pourri non? On court? Allez, vas-y. Cours! Vite! Fais de la balançoire avec le pneu, oui. Les gars, faut se guetter. Mais t'arrêtes pas! Elle s'arrête! C'est bon, c'est y. Là, je l'ai repoussé avant, du coup tu passes tranquille. Ah non, t'attends oui. Un autre. J'ai un petit pité, mais voilà. Oh là là, elle a l'air horrible, j'aime trop l'avoir en entier. Putain, il y en a plein là. Putain, mais il l'aide même pas. C'est quand même mieux à la manette, hein. Je serais moins... Ouais, ouais, on a bien fait. Pour les QTE. Ouais. Oh là là, elle a l'air horrible. Je veux le voir. Moi aussi. Fais gaffe, ouais. C'est on sent qu'ils peuvent tous rater. Hein, mais c'est tellement... On sait très bien qu'on joue ah, le game. Ah, ça fait vachement mal aux ongles, ça. Ils sont plus rapides. Hein. Le faisable encore. Encore, ouais. C'est bon. Pas, on a réussi à pas mourir. Attends, j'arrive pas la manette. Comment ils volent? Il est suspendu? C'est genre un pendu qui vole? C'est ouais. Directement. Ah, moi c'est je pense que c'est une sorte de pendu. On dirait. Taylor? Ça serait logique. Mais peut-être parce qu'on est proche en fait. C'est juste qu'on était proche de l'endroit où elle a été tuée. Oui, c'est ça, comme l'autre. Oh putain. Mais à chaque fois, ils sont attirés par leur double. On dirait. Oh putain! Oh là là! J'avoue, ça doit faire mal. Oh putain! What? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, t'as vu l'interaction? C'était avec Andro. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, tu fais bien de préciser. Non mais rentrez. Lui, il voit pas. Il comprend pas. Oh putain. Allez, je fais un choix très risqué. Ce truc est derrière toi. Mais vous êtes dingue. Vous avez envie de vous faire tuer? Bon. Oh, très vite. J'ai essayé de l'aider, en fait, le monsieur. Même si c'était risqué, hein. Je pouvais aller à la mort. T'as essayé de l'aider? Oui, oui, j'ai fait aider. Elle s'est fait avoir. Et elle lui a on juste a c'est faire. Tard, toi. Vous plaisantez? Non, et nous devons empêcher début cette jeu. Chose ouais. D'entrer, ou nous la rejoindrons. Merde. Cherchez d'autres entrées et sorties. Fermez-les toutes. Non mais il frappe, la créature frapperait pas. Ah, moi je peux pas j'ai t'aider. J'ai bien cru que j'allais y passer. Ouais, je l'ai réussi, mais j'ai c'est hésité bon. À le réussir. Tout va bien. Je l'aurais jamais laissé. Ouais, voilà, putain, j'en étais sûr. Petit corbeau. Qui lâche une plume. Pour des pizzas chorizo bolo.
flashback. Let's go. Je ne pensais pas que nous nous reverrions un jour, Tabata. Qu'est-ce qui se passe? Vous me ressemblez? Qui êtes-vous? C'est la question que je me pose. Il se passe quelque chose qui nous pervertit, même la jeune Marie. Certains jours, Marie est la jeune fille douce et innocente que nous aimons. Mais parfois, elle change. Elle a en elle une malice si puissante qu'elle m'effraie. Oh, d'accord. Dieu me pardonne, mais j'aimerais que tu sois avec moi, Tabata, pas Marie. Même dans la mort, elle te manipule. Marie. Son emprise sur toi t'empêche de voir la vérité. Tu changes le sens de mes propos. Oh, toi, notre sœur vit. Elle se tient près de moi. Je sais que tu la vois. Ce n'est pas l'œuvre du mal. David a beaucoup de peine. Il est désemparé. Je ne suis pas perdu. Je dis la vérité. C'est au juge Wyman qu'il reviendra d'en décider. David ne te fera aucun mal. Je te le promets. Je ne suis pas un danger pour elle. Pour rien au monde, je ne mettrai Marie en péril. Hé, hey, minute! Alors, j'ai croisé le double de Daniel. Et il dit qu'elle est changeante, Marie. Que des fois, elle est toute douce et innocente. Et que des fois, après, elle est toute bizarre et méchante. Professeur! D'accord, alors moi... Oh, attends, je veux que je t'explique. J'ai rouvert la porte. Pour essayer de sauver le... Alors enfin, oui, j'ai vu. J'ai proposé à John de rouvrir la porte, et en fait, pendant la discussion, vous voyez que la créature s'approchait de plus en plus. Et lui a demandé s'il pouvait nous aider, mais lui s'est retourné, il l'a pas vu. Et, ah oui, et oui, lui a demandé de nous aider à partir. Voilà, il le voit pas. Mais on sait même pas qui il voit, de toute façon. Oui, c'est et ça. Il a dit, et après, quand même, Andrew a regretté, exact. Tu lui as dit, on n'aurait pas dû le laisser partir, en fait, en mode on l'a mis en danger. Mais je suis pas sûr qu'il soit en danger, moi. Ouais. Non, moi je pense que s'il voit pas la créature, il est pas en danger. Vas-y, appuie sur A. Oui. Un joueur clavier, c'est plus réactif qu'à la manette? Ah, peut-être. Mais j'avoue que pour les QTE... Ouais, pour les QTE, manette, c'est très c'est facile, top. Quoi. Ouais. Sur clavier ou QTE, personne n'est habitué. Appuyez sur F, appuyez sur X, bon, tu saurais le faire, mais... Bon, en fait, tu sais l'emplacement des touches plus que leur appellation. Ouais. Le prêtre, révérend, quoi qu'il soit, lançait des accusations sur mon double. Du genre sérieux. Encore un procès? Donc le double d'Andrew alors? Oui. Et ça en prenait la direction. Non, c'est pas Andrew, c'est Daniel. Marie. Oui, Daniel, ouais. Et, et le prêtre, effectivement, il commençait à accuser Daniel du fait qu'il se faisait pervertir même dans la mort par sa compagne. Daniel dit qu'elle est changeante. Oui, que Marie est changeante. Et qu'il y a un problème. Et il nous demandait de l'aide en fait. En tant que. Voilà. Désolé, professeur, j'ai pas vérifié. Oui, j'ai rien pu vérifier. J'ai rien eu le temps de faire. Ce truc est encore là. Là, regardez. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Mmh. Gardez la porte au cas où ce truc revienne. Oh là là. C'est moins nanardesque maintenant. Oui. C'est vraiment le début. En fait, quand il n'y a pas ce côté relation entre les personnages, quoi. Même là, les décisions ont un peu plus de logique et tout. Daniel qui monte au grenier. Hé, hey, petite! Tu es là? Qui était mort dans le grenier. Oh, dehors, putain, j'avais pas pensé à ça. Il était bloqué dans le grenier. Putain, mais oui. Donc, si on doit partir, on évitera. C'est très marrant. Et oui, et attends. Et la nana qui est morte pendue. Oui. Oui. La mère étouffée, donc ça peut être... La mère étouffée, l'équivalent d'une noyade, on va dire. Ouais. Il y avait plus d'oxygène. Oh punaise, et lui il se suicide. Et la petite hein. Elle est morte brûlée. Brûlée, ouais. Et on pouvait brûler la poupée. Et le mec il est mort aussi un peu brûlé, étouffé, machin. Ok. Alors le mec est mort écrasé, on va dire. Écrasé, t'as raison. T'as la maison et Andrew s'est suicidé. Et Andrew s'est suicidé. Ok, oh, on va retenir marrant. Ça. Putain, j'avoue, j'avais pas fait le rapprochement. On va retenir ça. Malin. Hmm.
Ah, ça y est, c'est son tour. Ah, et la cloche. Putain, regarde. Ah, c'est quand... non. Ça va être, du coup, ça va être Andrew. Je suis peiné Daniel, de vous dire ces il mots, va se faire tuer. Mais ce châtiment sert notre intérêt à tous. Il va être poussé, t'as raison. Il va être... Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Ah là, il va l'épargner. Un jour, tu comprendras et tu m'en sauras gré. Mais c'est lui. Je me demande si lui, c'est pas l'esprit. C'est lui qui sort de Marie. L'esprit. Mais oui, il l'a chopé, rappelle-toi. C'est lui qui... Je t'avais dit, il l'avait chopé. Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. Ah, les piques. À votre tour. Oh, j'ai un QTE, regarde. Vois qui tu voulais que j'épargne. Comprends qu'il n'est plus de ce monde. Seuls les démons et les diables résistent. Ce que je te disais, lui s'était fait toucher, il croyait, ça faisait genre comme si c'était un fantôme qui l'avait touché. Et toi tu m'aides. Oh non. Je peux peut-être accuter eux. Non. Non. On peut rien faire. Ah, sur la mort de nos doubles, on peut rien faire, malheureusement. Ouais, je pense, ouais. Pas c'est sûr, même. Putain, mais je suis sûr qu'elle est pas morte, moi, la vieille. Enfin, qu'elle est pas si vieille, mais... On l'a pas vu mourir, en tout cas. On l'a pas vu mourir. Et vraiment, j'ai raté aucun QTE. Mais en fait, je viens de comprendre. C'est chaque double mort qui suit son double oui, vivant. Oui, tout à fait, mais ça se trouve, mais il en veut pas du mal. Peut-être même pas pour de mauvaises raisons. Et ouais, et on va peut-être apprendre qu'en fait... Enfin, je sais pas. Bon, j'avoue, ils font peur quand même, mais... Ah, je sais pas. Peut-être pour reprendre leur place. Peut-être, voilà. Peut-être pour inverser. Et tant qu'on voit pas les morts, on ne déclenche pas les doubles. Donc là, on a déclenché le double de Daniel. Tout à fait. Et là, c'est horrible. Oh, il était là. Il va... C'est peut-être lui qui a un je pic. Je le tenais. Qui a été... Ouais. Oui, c'était lui. Et il y avait une créature qui l'avait chopé et qui était à deux doigts de le planter. Dans la prémonition, tu l'as vu ou pas? Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai rien pu faire. Il s'est retrouvé contre un arbre. Donc la fuite dans la forêt ou je sais pas quoi. Je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Moi, ça m'a foutu en l'air. On va les garder liés, eux. Je pense. Ouais. Ces procès de sorcières, ils sont tarés ou quoi? Ils ont tué ce mec pour rien du tout. Je suis désolée, c'est du délire. L'histoire se répète. Angela est morte après avoir vu son double exécuté. Taylor a échappé de justesse à cette chose. Angela est morte, si on n'est pas sûr. Si on voit son double hein. mourir... Ah, on ne sait pas. On meurt. Non, non. J'ai pas envie de finir comme Angela. C'est mort. Le voilà le truc qui nous poursuit. Venez. Ça, c'est le chien à, ouais. à Taylor. Donc c'est un pendu comme on se doutait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce truc dehors? Silence. Il attaque pas vraiment ce truc là. Eh ben non, enfin je sais pas. Enfin, remarque l'autre a essayé de choper Angela. Pour le moment. Qu'on a vu. Ouais, mais ouais. Si il décide de et l'autre dans juger. Les égouts l'a chopé. L'intérieur de l'église, ah, finalement, peut-être en sécurité. Finalement, ouais. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, je vais peut-être attaquer QTE que je me suis pas rendu compte, mais. Tu crois vraiment, que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. Ce truc me poursuit encore une fois. C'est moi qu'il veut. Vous avez toujours pas compris, ce truc dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai? Ah oh putain, je sais pas. Est-ce que tu crois que rester, c'est une bonne idée? Franchement, non. Il va forcément réussir à pénétrer. C'est vrai, il faut qu'on se tire. Si on reste là, ce truc va nous bouffer. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. J'avoue que je vois pas en quoi rester ici peut être une bonne solution. En allons-y, fait. Mais on sort par derrière. Avec plaisir. Avec plaisir. Merde, ouais, c'est quoi le même
spatialisation était bizarre. Une raison de plus pour se tirer. Allez. Avec plaisir. Nias magique, oui, je suis comme Siranias, t'as raison sinon. Regarde par la fenêtre. Oui. Peut-être qu'ils sont partis. Je vois rien. Au-dessus, regarde dans l'air. Oui, parce qu'elles volent, hein, pour info. Ah oui. Bon, là, avec l'angle de vision, ils ont vu à peu près au-dessus de... Sauf si c'est très haut. C'est lui qui va choper Daniel. Ils sont tous là. Quand tu t'es caché. Merde. Et où je suis? Là, une poubelle. Oh putain! Oh mais j'en sais rien! Je vois pas du tout la même chose. Je pense qu'il faut éviter la confrontation. J'ai fait de la confrontation. Quoi? Mais fallait que je fasse quoi? Attends, j'ai raté un QTE, mais je suis été dedans. Mais que tu vises. Tu vises, oui, et que tu appuies sur... Mais j'avais pas de touche. Il fallait que j'aille jaune, je pouvais pas le laisser crever. Je suis dans un autre monde. Je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Je suis dans un autre monde. Ah oui, je vois ça. Et je vous vois vous battre. Ah ouais, t'es dans un monde sans texture. C'est des graphismes compliqués ou... Ouais. Franchement, c'est possible. Ah oui, ça avait bugué. Vu ton point de vue maintenant. C'est un ennemi, ouais. Il faut faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Mais merde, il faut aider Taylor. Merde, du coup, je suis pas allé, Attends, je peux peut-être te trouver. Bah ouais, mais c'est trop nul. Bah ouais, avec les textures, je voyais pas. Je voyais plus d'ennemis, je voyais rien. Gros putain, c'est nul, quoi. Oh, j'avais le couteau. Oui, vas-y. Taylor. Non, j'ai raté. Ça a bougé au dernier moment. Non, j'arrive. Je suis en train de venir. Duplicité. Moi j'ai une scène où il se passe rien, putain, pendant que toi tu vas des trucs de fou. Ah ouais, mais non, mais là je suis deck, le jeu m'a niqué en fait. Là j'ai trop la rage là. Ah putain. Ah j'ai. C'est pas grave, hein, dans ce juste jeu-là, à cause c'est très du dur, bug en fait, je suis allé, mais je suis pas du tout allé là où j'aurais voulu quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, t'avais un vieux bug de texture de mes deux, là. Bah ouais, du coup, je au début, je me disais, ça m'étonnerait que ça puisse faire partie du truc, tu vois. Je sais pas. Attends, on peut pas refaire cette part. Là, je suis trop deg. Un bug de texture qui me nique le truc. Non, y a pas moyen de relancer. Faudrait faire les chapitres. Faut sélectionner les chapitres. Parce que du coup, je voyais rien. Enfin, je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'as regardé sur mon écran, mais ça. Je voyais même pas de créatures, je voyais rien du tout. Ouais, c'était tout. Je pensais que c'était juste la brume qui était buggée, je savais pas si t'étais poursuivi, ou pas. On va au menu principal ou pas pour voir. Est-ce que ça sauvegarde? Sauvegarde tout seul? On va tester, écoute. Hein. Parce que j'avoue que. Ouais, bah là c'est rincé, j'ai pas, je sais pas, enfin t'as vu, enfin je sais pas si les gens ont fait gaffe dans le chat, mais genre ça ressemblait à rien quoi. Alors... Je suis trop deg. Surtout que je voulais pas du tout parce qu'en fait il m'a dit aller à gauche ou à droite parce qu'il y avait des silhouettes, sauf qu'en fait moi j'ai pas vu de silhouette.
Je l'ai compris après, tu sais, au moment où j'ai fait mon choix, je me suis dit, ah d'accord, c'est pour ça le choix. Et je peux te dire que si j'avais vu la silhouette du pendu, je serais forcément allé à l'opposé en fait. Enfin bon. Alors attends, ah bah tu peux me rejoindre, c'est comme ça que t'avais fait. Ouais. Faut que ce soit qui rejoigne. Je suis trop déçu. On va tester. Non mais c'est trop naze. J'aime pas recommencer, mais là pour un. Encercler église. Ouais, c'est ça. On peut recommencer à là, je crois. Hein. Bah ouais. Ouais, vas-y. Autre emplacement. Voilà. Let's go. J'ai fait autre emplacement pour qu'on garde la sauvegarde d'avant. Au cas où. Ok, parfait. Non, c'est trop chiant. Juste un vieux bug graphique. C'est parti. Pensez à récupérer vos runes. Où est Angela ? Oh non, putain. S'est fait avoir. On n'a rien pu faire. Quoi ? Vous plaisantez ? Non, et nous devons empêcher cette chose d'entrer, ou nous la rejoindrons. Comment ça, Angela s'est fait avoir ? Cherchez d'autres entrées et sorties, fermez-les toutes. On est si loin que ça. Attends, on est beaucoup trop loin. On est où ? C'est le même truc, mais c'est comme si on avait fait d'autres choix, j'ai l'impression. Grave. Putain, ça veut dire comme si on n'avait pas pu aller. J'ai vraiment eu un QTE raté, en fait. Mais sans m'en rendre compte. J'ai pas trop. C'est comme ça que je le vois, hein. Mais je pensais que... Peut-être qu'à un moment, j'ai mis un peu trop de temps, et vu que c'est pas très réactif, ça a pas détecté, j'ai je ne sais pas. J'ai cru que j'allais y passer. Quelle saloperie. C'est bon, tout va bien. Je l'aurais jamais laissé t'emmener. Putain, c'est pas les mêmes dialogues. La plume, ouais. Ah, du coup, on va refaire l'église. Je ne pensais pas que nous nous verrions un jour. Tabata. Mais non, mais c'est beaucoup trop loin. Tabata. Eh, on n'a pas le choix, hein. On n'aura pas plus proche, je pense. Tu crois ? Ah ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai pas regardé les autres chapitres. Peut-être que... Ah ouais, j'ai... Qu'est-ce qui se passe ? Vous me ressemblez ? Qui êtes-vous ? C'est la question que je me pose. Il se passe quelque chose qui nous pervertit, même la jeune Marie. Certains jours, Marie est la jeune fille douce et innocente que nous aimons. Mais parfois, elle change. Elle a en elle une malice si puissante qu'elle m'effraie. Dieu me pardonne, mais j'aimerais que tu sois avec moi, Tabata, pas Marie. Même dans la mort, elle te manipule. Marie. Son emprise sur toi t'empêche de voir la vérité. Tu changes le sens de mes propos. Notre sœur vit. Elle se tient près de moi. Je sais que tu la vois. Ce n'est pas l'œuvre du mal. David a beaucoup de peine. Il est désemparé. Je ne suis pas perdu. Je dis la vérité. Mmh. Ouais, je regardais le vide. D'accord. Le chemin. Mais ça fait une pause, c'est relou. Oui. Joyman qu'il reviendra. Ouais, c'est pour la synchronisation. David ne te fera aucun mal. Je te le promets. Je ne suis pas un danger pour elle. Pour rien au monde, je ne mettrai Marie en péril. Hé, hey, minute. Professeur ? Andrew ! Andrew. Ça y est. À moi. What ? Le prêtre, révérend... Mais c'est pas du tout ça ? Quoi qu'il soit, lancez des accusations sur mon double. Bon, voilà. Du genre sérieux. Ça a l'air d'être plus rapide. Pas cette fois. Et ça en prenait la direction. Et la petite ? Marie ? Ouais. Je l'ai vu aussi. Sommes-nous à l'abri ? Quelqu'un à mon tour maintenant. What ? Recache ! Je crois que je t'ai pas dit re.
Je ne me sens pas plus en sécurité ici que dehors. En tant que prof, vous protéger fait partie de mon travail. J'ai changé là de réponse pour voir ce qui se passe. Ce truc est encore là. Là, regardez. Nous devons la suivre. Qui qu'elle soit, elle est impliquée dans tout ce qui s'est passé ici. Ça change quoi, hein? Si nous l'arrêtons, nous éviterons peut-être d'autres problèmes à nos sosies. Ok. Gardez la porte au cas où ce truc revienne. Non, c'est tout ce qui se passe, y'a pas de QTE, je veux pas aller aux toilettes d'édition. Moi j'avais eu un petit QTE. Mais ah bon? Ouais, quand j'étais lui pour essayer de rattraper mon double, mais normalement c'est moi qui le fais. T'avais un QTE pour ça, d'accord. Ouais, mais tu peux du coup y aller, puisque y'a que moi normalement. Toi t'en as pas eu, mais. Ouais, j'avais rien eu. Oh bah tu peux. Hé, hey, petite! Tu es là? Bon, on refait une partie. Pour ceux qui n'ont pas trop pigé ou quoi que ce soit, on refait une partie, on refait un chapitre un peu. Parce qu'en fait, Envy a eu un gros bug de texture. Et ce qui fait qu'il voyait pas le jeu normalement. Et du coup, ça a conduit à la mort d'un personnage. Juste à cause de ça, donc ça fout un peu le seum. Mais moi, très franchement, je comprends pas pourquoi Angela est morte. J'ai vraiment... Mes QTE étaient bons, en fait, donc je sais pas. Dommage. Je suis peiné de vous dire ces mots, mais ce châtiment sert notre intérêt à tous, et sauve notre ville. Épargnez-le, je vous en prie. Tu as peur, mon enfant. Mais un jour, tu comprendras, et tu m'en sauras gré. Ne reste pas là, Marie. Il ne t'entendra pas. Mon sort n'est pas un joug que tu dois porter. Qui s'occupera de moi sans toi? Le juge Wyman a désigné Abraham. Il sera ton tuteur. Une décision qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Tout homme est un jour jugé pour ses actes. À votre tour. Regarde! Vois qui tu voulais que j'épargne! Comprends qu'il n'est plus de ce monde! Seuls les démons et le diable résistent à de telles forces! Je sais pas pourquoi il y a un gros ralentissement alors qu'il a pas de QTE ENV, je le vois sur son écran. C'est un QTE bugué, mais je pense pas. Non, je pense pas. J'espère que là, ça sera normal. Il y a des bugs dans le jeu, ils ont rien fait les devs alors que ça va... Ouais, c'est aussi ça qui a fait que la licence, à la base, c'était pas celle que je voulais trop tester. C'est parce que j'ai cru comprendre qu'effectivement, ils ont souvent des bugs dans leur jeu et ils ne font pas grand-chose. Il était là. J'ai des bugs qui te niquent des games, quoi. Justement, comme ça, comme on a eu tout à l'heure. Avec des QTE qui marchent pas, des trucs comme ça. Et je pense vraiment que c'est un bug qui a fait qu'elle est morte, mon perso, parce que je me suis pas vu rater. Donc, je sais pas. Et j'ai rien pu faire. Bah ouais, faut croire. Vraiment, bah j'avais les touches au bon endroit et tout, quoi. Je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Moi, ça m'a foutu en l'air. Bon, je refais le même truc. Ces procès de sorcières, ils sont tarés ou quoi? Ils ont tué ce mec pour rien du tout. Je suis désolée, c'est du délire. L'histoire se répète. Angela est morte après avoir vu son double exécuté. Taylor a échappé de justesse à cette chose. Si on voit son double mourir, on meurt. Mince. J'ai pas envie de finir comme Angela. C'est mort. Le voilà ! Qui me demande speed, j'ai l'impression. Venez ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
avec ce truc dehors. Silence. Il est dehors. Alors, je l'entends. Il est dehors, pour le moment. Mais si il décide de venir nous chercher? À l'intérieur de l'église, on est peut-être en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sacré. Tu vois, une église, ça peut l'arrêter. Sérieux? Tu crois que c'est un vampire ou quoi? C'est aussi un bâtiment solide. C'est vrai. On est en sécurité, on reste ici. Ce truc me poursuit encore une fois! Je suis tellement pas d'accord qu'ils sont en sécurité. Vous avez toujours pas compris? Ce truc dehors, c'est un putain de monstre. Faut qu'on fiche le camp d'ici. Pas vrai? C'est vrai, il faut qu'on se tire. Si on reste là, ce truc va nous bouffer. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. On veut pas finir comme Angela. Ok. Allons-y, mais on sort par derrière. Bon. Avec plaisir. Avec plaisir. Merde. Pas encore. Ce bruit. Une raison de plus pour se tirer. Allez! Peut-être qu'ils sont partis? Je vois rien. On y va. Et merde, c'est pareil. Oh merde, t'as le même bug. Regardez. Du coup, je vois rien. Tu sais, j'ai pas de visibilité, tu vois. Ouais. Je vais même pas me déplacer. C'est peut-être parce que tu dois attendre que ma scène soit terminée, je sais pas, c'est trop chelou. Attends. Oh, plein QTE, c'est dur. Désolé. Touche, clavier. Z, QSD. Peut-être pas un bug alors, mais c'est quand même chelou. Ah non. Désolé pour le QTE. Pas grave. Faut faire gâchette quoi. Ok. Là tu me massacres. Ouais là j'ai massacré là. Fallait faire gâchette, il te le dit pas le jeu. Bon bah je peux pas me déplacer. Ouais c'est très bizarre. C'est vraiment bah, c'est automatique. Ouais c'est après ma scène à chaque fois. Il faut faire quelque chose. Calme-toi un peu. On doit réfléchir. Oh non, mais en fait, c'est du mais hasard. Mais merde, il faut aider Taylor. Voilà, c'était juste du hasard. Oui, mais je pense que je les voyais, les chaînes. Non, mais là, je pouvais même pas bouger, hein. Il y avait un truc qui allait non, pas. Non, mais quand tu fais gauche et droite. Ah, t'as voilà. Pas fait gauche tout à l'heure, par hasard? Ouais, j'ai fait gauche, ouais. Ouais, là, t'as fait droite. C'est du hasard, aussi. Ah oui, parce que de gauche, je savais. Oui, mais je pense que t'as pas un truc bugué. Je suis sûr que t'as justement une silhouette. Je suis sûr que t'as une silhouette. Je vais avoir une vidéo sur YouTube. Je te parie qu'il y a une silhouette et justement, c'est à toi de t'y... Faut pas qu'on traîne. Allez, attends. Il en peut plus. Sérieux? C'est nous que ces trucs veulent tuer, pas toi. Faut oui. Pas rester là. Mais carrément. On est tous en danger. C'est certain. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'en suis pas sûr. On devrait se poser un peu. C'est ce qu'on fait. Allez, reposons-nous. Tu dormais?
impressionnant. Oh non. Je vois mal comment trouver le sommeil après ce qu'on a traversé. Mais je voudrais bien, je suis mort. Vous avez une idée pour nous tirer d'ici ? Cette brume nous encercle. On est coincé. On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on détermine d'où vient cette fichue brume. Je crois que l'enfant, Marie, peut nous aider à retrouver notre chemin. Trouver Marie, l'arrêter, ça peut nous aider. Ouais, ok, mais... qu'est-ce qu'on fait de l'autre fille ? Celle qui arrête pas de nous échapper. Elle doit avoir un lien avec Marie, d'une manière ou d'une autre. L'autre fille essaie peut-être de nous mener quelque part. Où ? J'en sais rien. Peut-être un endroit où on pourrait stopper tout ça. Il faut qu'on arrête cette gamine. Mais comment ? Elle est peut-être même pas réelle. Et on lui dit quoi ? Hé, hey, s'il te plaît, arrête de nous faire psychoter. Arrête de nous tuer, surtout. On doit essayer. Il faut le faire pour nous. Pour les autres. Marie est la clé de tout ça. Ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas si simple. Comme vous le dites, c'est qu'une enfant, on peut pas... Écoute-moi bien. Si on la revoit, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Oh, chut, what? C'est quoi? Chut. Oh non, ce machin est revenu pour m'achever. Cachez-vous. Vite. Il fonce droit sur nous. Pas de bruit. Oh. Angela. Doucement, John. Je suis pas très en forme. Je vous croyais. Morte, comment avez-vous réussi à nous trouver ? C'est juste... enfin... on est content de vous voir. Allons, vous allez me faire rougir. Mais merci. Vous êtes coriace. C'est sûr. Le ton y était pas. Vous êtes une vraie dure. Ah non, ça va pas du tout là. Toute l'équipe est réunie ? Au début c'était bien, c'est doucement et tout, t'sais, là... C'est eux. Ce n'est pas moi. Pour l'heure, l'important est de vous mettre en sécurité. Est-ce que c'est parce qu'on a relancé ou pas ? On a vu d'autres de ces créatures pendant votre absence. Tu penses ? Non, même le conservateur, il a dit Angela est peut-être morte, qui sait ? Et apparemment, il y en a plusieurs. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses ? J'avoue, elle est couverte de boue. J'allais oublier que j'avais ça. Juste qu'ils ont peut-être enregistré plusieurs dialogues pour les mêmes réponses. J'ai eu assez peur de ne jamais pouvoir. Oui, c'est sûr. Merci. C'est très aimable à vous. Et un seul même dialogue pour plusieurs réponses parfois aussi. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai. Cassé. Je devrais peut-être casser le deuxième pour m'épargner toutes ces horreurs. Effectivement, c'est bon. Parce qu'il lui a récupéré les lunettes dans les égouts. Je suis pas sûr que ça nous aide vraiment à sortir d'ici. Putain, on a 5 persos, ça veut dire. L'idée me plaît bien. C'était quoi ? Même s'il a fallu un peu tricher pour aller contre un bug. Ça ne venait pas de loin. Il faut continuer. Oh putain, je suis trop contente. En vrai, je suis trop contente de revoir Angela. Ouais, j'ai trop nul d'avoir dû recommencer, c'était long. Oui. Mais bon, il y a quand même le bug. Bon, bah au final, le du bug coup, il est resté, mais bon, au moins tu savais où aller. Je suis presque sûr que je voyais une silhouette en vrai. Je pense que. Bah, moi, je pense surtout que tu vois même une cinématique ou je ne sais quoi avant toute cette scène en fait. Et qu'elle s'est pas activée, du coup ton berceau était coincé dans un vide. Ah ouais. J'en suis sûre. Parce que moi j'en avais une, ça m'étonnerait pas que toi t'en aies une aussi. Oh putain, on va avoir des QTE. On est sûr qu'il va le tuer maintenant, en tout cas, avec tes deux agressions. Ouais, ouais, là c'est sûr. Y'a plus de doute. On s'en doutait déjà avec Angela, c'était louche. Merde. Moi je suis loin. Professeur ? Angela, vous êtes où ? J'ai mis à la souris, du coup je sais pas où cliquer. Ah merde !
Tu veux pas remettre... Daniel ? Et alors ? Ah, c'est bon. Ok, en fait, y a pas de bouton. Ah, c'est nul. Je suis désolé, je suis obligé de changer les commandes. Je vais remettre... J'ai pas fait... Ouais, manette, Xbox, voilà. Ah, oh, il va peut-être mourir. J'espère pas. Ouais, peut-être, ouais. J'ai raté deux fois de suite. Il y a juste un petit timer et ça tourne. Je sais pas sur il y a pas de... Oui, t'indiques pas les touches. Gauche ou droite. Ouais, ouais. Ouais, juste un réveil au milieu, tu sais, c'est tout. Ouais, non mais genre... Où est-ce que vous êtes ? Donc je sais pas ce que c'est. Non, la touche carte... réveil sur une souris. Ah excuse-moi. La carte tremblait parce que j'arrête pas de bouger ma jambe. Parce que bon, là ça fait depuis 11 heures que je bouge pas trop, du coup je crois que je sens que mon corps a un peu besoin de bouger, j'irai me lever un petit peu plus tard, dégourdir les jambes. Daniel, c'est toi ? On est tout ça. Oh, derrière toi. Regarde encore. Oh putain. Oh, je sais pas. C'est quoi ce délire? Elle se démerdera Taylor. Elle se démerdera Taylor. Elle de l'autre. Mais pourquoi le couteau? Mais tu l'as utilisé. Oh, je suis désolée. Mais oui, t'as raison. Elle se démerdera Taylor. Bah oui. Là, je l'ai pas raté. Hein. Donne-moi ta main, Taylor. Oh, je suis dit... Oh, putain, j'ai fait le mauvais choix. Oh, je vais die. J'ai réussi tous les QTE, c'était tellement chaud. Et bah en fait, elle l'avait... Le couteau, elle l'avait lâché, c'est un qui m'a aidé. Ouais, mais ça reste bien, tu vois. Putain. On a bien fait de lui laisser le couteau. Ouais. Oui, oui. On a trop les bons choix, j'ai l'impression. Qu'on soit sorti voilà, de là indemne. On arrive de QTE, c'est surtout ça. Te réjouis pas trop vite. On est toujours coincé dans ce trou paumé. Et ces sales mutants sont encore là. Faut pas qu'on traîne ici. En tout cas, on... Trop de pression là. Il est bloqué. Ah oui. Ah. Tu vois, moi je suis un peu en décalé. Ça bug un peu là. Ça bug. Ça bug complet, je pense. Ouais. Ah, c'est bon, ça débug. On n'avait même pas de son. Oui, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mieux vaut triompher de soi-même que gagner un millier de batailles. Ensuite, la victoire est à vous. Elle ne pourra vous être arrachée ni par les anges, ni par les démons, les cieux ou l'enfer. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Ah. Les événements, ainsi que les gens, ne sont pas toujours... ce que l'on pense de prime abord. Trois exécutions, trois victimes tourmentées, et pas une âme perdue. Vous faites du beau travail. Continuez. Merci. On fait du beau travail. Une petite idée de ce qui vous attend au tournant, caché dans la brume. Il y a comme un air de foire des ténèbres. VOD. Non, c'est bon, on est qu'à 40 minutes, 49. Ok. Par contre, Pissou. Parce que j'en peux plus en fait. J'ai bu beaucoup d'eau. J'arrive tout de suite, à tout de suite.
I'm here. Bon, il est trop bien ce jeu, en vrai. Hop là. T'es là, Envy ? Ou il est parti pipi aussi ? Elle est peut-être partie pipi. J'espère non, chercher de l'eau. Ah, ok. J'espère que vous passez un bon stream, en tout cas, parce que moi, j'avoue, je me régale avec ce petit jeu. C'est cool. C'est le jeu parfait à faire à deux. Ah, ok. Eh ben, let's go. Oui. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. Pour ma part, j'espère ne plus croiser cette petite où que ce soit. Je suis sûr qu'on tardera pas à la revoir. Restons bien attentifs. Oh, il y a plein de lucioles. Ou alors, ça fait penser à descendre. Des lucioles. Oh merde, c'est de là que je me suis à peine approchée. Dommage, j'étais de l'autre côté. Mais oui. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous ? Je pensais que tu allais me proposer d'ouvrir la porte et que je pourrais attendre, tu vois. Ouais, mais ils sont coquins avec ça. Un petit peu, oui. J'ai mis un petit coussin sous mes fesses, ça change mon assise. C'est bien. Non, c'est pas possible. Ah. Je ne crois pas mes yeux. Enfin lui. Navré de vous importuner à cette heure tardive, mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. M'étonne. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Ouais, le côté changeant. Éloignez-vous hein, d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir, je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en pâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Mais non. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. C'est difficile là. Je crois pas qu'exécuter la gamine soit la chose à faire. Elle doit être traumatisée. C'est une victime ici, comme tout le monde. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. Oh oui, clairement, c'est ça. On ne peut pas accuser une enfant. C'est le prêtre qui est derrière tout ça. C'est sûr. Le révérend Carver est un homme guidé par Dieu. Nul ne doit en douter. C'est le seul qui a montré aucun signe de... Qui a fond, quoi. Il ressemble à un cadavre, le gars en rouge, hein. J'arrive plus à dire ce qui est bien ou mal. Plus rien n'a de sens ici. Et alors, ouais, je sais pas pourquoi il est si... Vous avez pu parler à Marie ? Non, ils sont pas tous... Ouais, ils sont plusieurs, pas très bien. Merde.
C'est vrai que ouais, lui, il est vraiment pas bien. Lui et elle, d'ailleurs, Angela, un peu. Ouais, Angela est couleur de boue, là. Ils ont pas avancé. Et elle, maintenant aussi, Taylor. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici il y a bien des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Il y a juste un truc qui m'a étonnée. Bon, je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Non mais oui, enfin bon. Peut-être d'autres problèmes, quoi. C'est loin d'être fini. Je voudrais seulement rentrer. C'est tout. Combien d'entre nous vous sentirez vivant ? Ouais. Comment ça me choquait ? Entre nous, j'ai pas spécialement le moral non plus. Pas après ce qu'on a vécu. Faut qu'on se mette en route. What ? Non mais... Ça m'a surpris de ouf. Oh, comment il était rapide celui-là ! Non, c'était un cerf! Mais c'est bon, j'en ai raté aucun là! Mais j'en ai pas raté! Duplicité. J'ai pas raté de QTE! Je comprends pas, j'ai vraiment pas raté de QTE quoi, putain. On est d'accord, le chat. T'es sûr? Bah ouais. Attends, j'ai envie de refaire. Oh tant pis. Hein. Que si on refait, on arrive... Aucune idée. On est à où ? On est à sortir des bois, suivre le sentier, rester ensemble. Oui, bah d'accord. Ah, donc c'est-à-dire sentier, donc faudrait prendre la safe sentier en gros, c'est ça ? Bah si elle existe. Hein. Attends, et si moi je vais voir, comme ça Pierre, je te rejoins dans la game. Ouais. Moi je vais voir et comme ça je vais au menu. Je peux sûrement te rejoindre. Problème, ça a l'air d'être... C'est parce que j'ai pas assez spammé, mais je pense pas. Surtout que ça s'est arrêté avant, enfin, je comprends pas. Alors si je fais... Vous avouez, je comprends pas. Pas seul. Je dois repartager, et du coup... Je comprends pas du tout ce que j'ai raté. Bah toi t'as pas de sauvegarde peut-être. Comment tu choisis ta sauvegarde ? Je fais inviter un ami. Et après je sais plus. Attends, je fais genre je t'invite mais il n'accepte pas. Ouais, ça me propose. Putain, j'ai pas de sauvegarde. Ça me propose restaurant, déviation. La baise. Faut que toi tu viennes. Attends, collecte bonus. C'est vite rapide. Pourtant j'ai les trucs dans les collections et tout. Bah je sais pas, écoute. Comment t'avais fait pour Bah j'avais choisi les chapitres moi. Ah mais où t'avais bah c'est ce après, c'est une fois que je te rejoins. Et je fais jouer seul, il me propose les chapitres au moins. Non je pense pas, parce que c'est une autre partie. Ah, choix de la scène. Aucune scène disponible. Mais c'est trop tard, de toute façon ça m'a fait quitter aussi, donc en vrai autant que je regarde moi. Ah ça t'a fait quitter, ah merde. Ouais fait que t'as lâché la partie. Ah désolé. Désolé putain, je... Qu'est-ce que vous voulez éviter ? Oh putain, j'espère qu'on va pas être trop loin. Alors,
Église encerclée. Oh putain. Oh non, c'est pas vrai. Non. Tu peux pas changer ? C'est pas le moment pour quitter, je crois. Oh non, je suis désolé. Un bâtiment en ruine, ça devait être ça, non ? Ouais, c'est bon. Ah ouais. C'est parce que je me dis, on a eu la discussion du mec et tout. Ah, j'ai eu peur. C'était pas possible. C'était pas possible. Modifie, allez. Voilà, non, ça va être bon. Je me disais, franchement, c'était pas possible. On a eu la discussion avec le type et tout. Bah ouais, moi aussi, j'étais là. Attends, pas de chef depuis ? J'ai mis prêt, bon. J'ai mis prêt depuis un moment déjà. Vachement long. Pour mon QTE, ouais, je sais pas. Je vais le retenter. Bah écoute, essaye de le refaire et ça se trouve, je saurais pas dire. S'il y a des morts, il y a des morts, et puis c'est ça, hein. Ça se trouve, c'est une vision, je ne sais pas. Hein. Mais c'est bizarre de tout réussir. Parce que ça veut dire qu'il est condamné, t'as pas le choix ? Moi aussi, je l'ai réussi. Hein. C'était très rapide, mais je l'ai réussi, j'ai sauté. En fait, c'était genre, fallait sauter direct. J'ai sauté direct, et pourtant. Oh, je pense que Taylor est morte. Ah non ? Ah bah... merde ! Bon bah. Bah c'était juste avant alors, fallait refaire. Bah ouais. C'est juste avant, c'était où ? Retour au menu principal du coup. Vas-y. C'est aléatoire, oui ? Comment ça c'est aléatoire ? Y'a des morts aléatoires ? Genre. Ah genre vraiment ? Genre tu réussis tout et ton perso meurt quand même ? Quel intérêt de jouer dans ce cas-là ? Après c'est pas le but. Après c'est pas forcément gagner. Enfin. Tu crées une histoire dans ce jeu en fait, c'est vrai aussi. Hein. C'est parce que tu finis avec un perso en vie ou tous que. Y a pas vraiment de gagnant de perdant, tu peux pas perdre dans le jeu. Tu vois, tu peux aller jusqu'au bout en ratant toutes tes QTE. Si tu peux. Et au pire, ouais, oui, et au pire tu finiras un mec en vie, tu vois. Même si. Ah, on a cette impression là parce qu'on est habitué, mais. Oh, j'en ai pas. Donc je pense qu'en vrai, c'est peut-être que de temps en temps, c'est un peu... J'ai fait rejoindre... Ah oui, il y a du temps. C'est quoi l'autre sauvegarde à 73% que j'avais vu là ? C'est celle que j'avais pas voulu écraser. Du coup, ce serait réflexion alors. Allez, go. Quand ils font des réflexions sur peut-être la gamine et tout, donc on serait pas trop loin, je pense. Allez. On va voir. Ouais, c'est peut-être... C'est obligé d'en faire d'avoir des morts. Chantier. Allez, bah prêt, écoute, on réussit. Normalement, ça devrait être parce que tu rates un QTE que t'as un mort, quoi. Limite, tout à l'heure, on a raté tes QTE, on a même pas eu de mort. Ouais, tout à l'heure, j'en ai raté deux. Tant pis, s'il était mort, j'aurais accepté. Voilà, je c'est ça. Moi. Mais avoir des QTE réussis est quand même une bah là, c'est conséquence tout à énorme. En fait, avoir un choix à faire sans avoir aucune info, bon, bah, peut-être c'était voulu, mais je crois pas parce que j'ai l'impression que, en fait, si j'avais eu le truc, j'aurais eu forcément les silhouettes, je suis sûr. Mais vu que c'était dans un bug principe, impossible de le savoir, d'ailleurs, je pouvais pas me déplacer. Alors que d'ailleurs, dans le premier essai, j'avais pu me déplacer, mais je savais pas où j'allais, je marchais au pif quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc ça, c'était un bug, je pense qu'on a bien fait de recommencer, c'est un peu frustrant. Mais par contre, là, tu me dis que t'as tout réussi, et ça se trouve, elle va mourir, et dans ce cas-là, bah écoute, on va l'accepter, mais. Oui, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, il y avait pas de choix à faire. À moins que les choix de discussion. Mais bon, je pense pas. Putain, ça charge à l'infini ? Ça charge beaucoup. Ça charge beaucoup trop. Ça charge beaucoup trop. Mmh. Allô le jeu. On n'arrive peut-être pas à nous synchroniser. On attend une demi-heure et après on... Trop chaud. Bon. On va remettre, hein. On va tenter. J'ai entendu un bruit. C'est toi qui arrive ? Non, j'ai juste Alt-Tab. Bah écoute, je vais peut-être quitter, hein.
Oh bah, j'ai essayé de quitter très vite, hein. Pas le choix. Collection clôture perdue. Trop bah ouais, je... là, bon. Bon, je sais pas. Pas des jeux super stables. Bon, ça va, on a vu pire. Il est pas instable non plus, mais... petit bug. Ah, t'as l'impression que tu peux vite avoir des bugs qui niquent tout quand même. Tu sais, pas si t'as cette sensation aussi. Game et tout. Ouais, ouais. Ouais. Je peux pas... Trop long, quoi. Voilà, tu peux join si t'y arrives. Oh bah je te vois. Envy bâtiment en ruine. T'es dedans ? Non, je te rejoins là. Ça charge. Ça, je t'ai pas rejoint encore. J'ai fait join mais... Moi je te vois déjà là. C'est trop bizarre. Ah bah ça charge. Ok, c'est bon, je suis avec toi. Ok. Bâtiment en ruine, c'est pas bon, hein? Si? Ah bah si, si. Alors c'est. Non, c'est juste d'avant. C'est non, réflexion. Oui, voilà. Mais bon, si ça bug, on fera. Je vais faire un autre emplacement, peut-être que c'est pour ça que ça a bugué. Comme ça, je fais un autre emplacement de sauvegarde. Allez. Peut-être pour ça, peut-être parce que j'ai modifié une sauvegarde qui était déjà plus avancée. Enfin, je sais pas, ça peut être foutu, bordel. On va voir. Ça a changé très vite là. Ça clignote, ça clignote. Ah non, ça a remis. Ça clignote derrière nous. Ah, sinon je fais le déclin, hein. Ou celle juste d'avant, en vrai. On était, il y avait quasiment rien eu. Bah, c'était qu'une discussion. C'était on a marché jusqu'à devant et t'as parlé à la porte. On a eu la vision. C'est quand même je crois que c'est ça, hein, déjà, que je vais recharger. Non, je pense que toi, tu... La réflexion, c'est après la vision, à mon avis. Oh, c'est lourd. Ouais. Vas-y, attends, j'ai le F4. C'est toi, quand... comme ça, ça t'évite. Bah, sauvegarde qui marche plus jamais en fait. C'est vite de relancer comme ça. Ouais, vas-y, tu peux essayer de venir. Ou alors je t'invite, mais ça va être plus rapide si tu fais ça comme ça. Moi je te vois déjà dans ma game alors que t'es même pas... T'as même pas ton... Je viens de cliquer sur rejoindre, mais c'est des impressions que c'est... Que tu me vois instant, mais moi ça met un peu de temps à arriver quoi. Ouais, du coup je vais attendre. Moi c'est juste une fois celle d'avant. Non, tant pis, ça marche. Dans la tourmente, bah, c'est quand ils discutent alors. De la gamine. Ouais bah voilà. Bon bah on essaye ça et puis si ça marche pas bah tant pis hein. Si ça se trouve j'ai corrompu toute notre game. Ah t'y peux rien hein, taf. C'est moi à la base calif pour te rejoindre, c'était juste pour vérifier tu vois. J'aurais pas dû quitter ça se trouve. Dites-le avec mon portable ce qu'ils disent.
Tellement de gens qui ont le problème. Je regarde avec le téléphone pour pas le tap, tu vois. Ouais, les devs arrêtent pas de répondre pour dire ouais, on regarde ça. Truc qui date d'il y a 13 jours. Hein. Ouais, et puis le jeu il a 2 ou 3 ans. Hein. 2 ans, je crois. Il y en a, il dit non, mais attendez, le jeu a 2-3 ans. Leur réponse, ça sent. Tu sais, ils disent c'est, ils vont jamais faire, ils vont jamais rien faire. Jamais. Sûr. Non, de toute façon, je m'attendais pas une réponse des devs, mais j'attendais à. Un mec qui dit ouais, j'ai trouvé la solution, tu sais. Ouais. Ah, il y a des mecs qui disent comment fixer le truc. Ça va bien, oui, ça va, ça va. On est sur Dark Picture Little Hope. Et bon, bah, à part les bugs là qu'on a depuis 20 minutes, ça allait super bien. Mais bon. Là, ça bug. Mais avant, ça allait bien. Ah, black screen problème. Attends, j'aurais un mec qui a fait une vidéo. Je vais arrêter la VOD et j'en relance une quand on réussit. Bisous VOD!